Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Pas vraiment un épisode, mais plutôt une vidéo pour vous parler d'un projet que j'avais envie de faire. C'est de mélanger Twitch et YouTube. Alors, vous allez me dire, oh, mais tu nous as déjà fait ce genre d'épisode, enfin, ce genre de vidéo, tu voulais faire des vidéos tatati tatata. Non, alors, juste, on va parler spécialement de GPS4. D'où le fait que là, je suis sur le fond de GPS4. C'est parce que moi, je compte faire des lives, mais aussi sur GPS4. Pour autant, je veux pas faire de live qui ne retombera pas sur YouTube. Ça ne sert à rien, parce que ceux qui ne sont pas présents durant les lives, bah, je voudrais bien qu'ils consomment malgré tout, qu'ils puissent consommer ce que je produis malgré que je les fais en live. Du coup, même s'ils peuvent aller directement sur ma page Twitch, s'abonner, utiliser leur Twitch Prime, utiliser un abonnement, etc. Enfin bref, payer ou s'abonner gratuitement grâce à Twitch Prime pour pouvoir regarder toute la rediffusion entière. Moi, j'avais aussi pour projet de le faire, mais à la façon GPS4. Et moi, ce qui me dérangeait, c'était surtout faire la différence entre un LP officiel de GPS4, par exemple aujourd'hui celle avec la Grèce, et un LP qui est Twitch, qui est vraiment sur les abonnés, etc., etc. Alors vous avez déjà pu le voir avec les codes couleurs dans les miniatures, quand vous avez un contour rouge, ça veut dire que la vidéo est produite en off, et quand vous avez un petit contour en violet, c'est que la vidéo a été produite sur Twitch. Donc voilà, c'est une rediffusion coupée en épisodes. Alors, moi, ce que je voudrais en fait faire comme projet, c'est qu'on puisse à terme mêler les LP non officiels produits sur Twitch, mais aussi les LP officiels produits en off. Parce que j'avais testé le fait de produire des vidéos que sur Twitch et ensuite les remettre sur YouTube. Ça me plaît pas trop parce que j'ai envie d'avoir aussi cette cage, que je m'enferme dans cette cage, que je me dise avant de rec, parce que même avant de rec, même si c'est que il n'y a pas de montage, on va pas se mentir, il n'y a rien, mais avant que je rec, je me dis qu'est-ce que je dois faire dans cet épisode, qu'est-ce que je dois faire pour amener des choses, qu'est-ce que je dois faire dans le plan économique, qu'est-ce que je vais faire pour pas que les gens s'ennuient, pour pas que vous soyez là, vous dites « Ah, mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien dans sa vidéo, c'est pas intéressant. » Donc derrière, il y a quand même pas une tendance à l'écriture, parce que je n'écris pas, mais il y a une tendance à éviter à tout prix que vous vous ennuyiez. Et ça, c'est ce qui va peut-être se produire sur Twitch. Et c'est pour ça que cette production qui va possiblement être sur Twitch, je voudrais qu'elle soit bien amenée sur YouTube, que vous puissiez bien le voir, et que ça vous ne gêne pas trop. Du coup, bah, il faut réfléchir à un modèle qui puisse vous intéresser, spectateur YouTube, mais aussi spectateur Twitch. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut qu'il y ait aussi une distinction entre les LP officiels, où vous le voyez, c'est bien, ça reste quand même assez correct, malgré les bugs de GPS4, ça reste assez correct malgré tout, et une différence un petit peu avec Twitch. Alors, moi, j'avais plusieurs solutions, dont j'en rajouterai sûrement parce que, bien évidemment, vous allez vous voter. C'est votre tour de m'aider hein, pour vous satisfaire et bien sûr, moi, me dire bah, si c'est ça qui vous satisfait, bah, tant mieux. Et aussi, deuxième chose, permettre à moi-même de trancher parce que je ne sais pas. Forcément, je sais pas quoi faire. Du coup, vous avez en dessous de la vidéo, vous avez un questionnaire. Répondez-y sérieusement. J'ai besoin de votre avis. Bon, c'est pas très long, c'est une demi-minute à cocher les cases. Vous lisez les questions, vous cochez et vous dites votre avis. Donc, j'aurai besoin de vous, j'ai besoin de vous encore. Et j'aurai toujours besoin de vous parce que c'est vous le moteur de la chaîne. On l'oublie parfois assez souvent, mais une communauté, enfin une chaîne YouTube sans communauté, de toute façon un business, une entreprise, enfin s'il n'y a pas de gens qui rencontrent le produit, il n'y a pas de, le produit n'existe pas. Et mon produit, c'est de vous faire des vidéos GPS4, c'est de vous faire des vidéos sur les jeux dans sa globalité, sauf que s'il n'y a pas la rencontre entre vous et moi, eh bien il n'y a pas de contenu, malgré qu'on le fasse par passion. Du coup, bah, j'ai besoin de vous, et c'est pour cela que dans la description de la vidéo, vous avez du coup un petit lien qui va vous amener à un formulaire et vous allez du coup répondre aux questions dont j'ai écrit
pour pouvoir statuer, moi personnellement, me statuer là-dessus. Alors, j'avais fait un sondage aussi sur YouTube, sur l'onglet communauté YouTube. D'ailleurs, les sondages sont revenus. Donc, si vous voulez revoir les sondages, enfin, si vous voulez répondre à des sondages politiques, militaires, économiques, culturels, religieux, etc. Bon, la religieux, pas trop, parce que c'est un peu tabou. Mais voilà, n'hésitez pas, vous avez l'onglet communauté. Si vous êtes abonné à la chaîne, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, je voudrais donner une petite formule un peu plus sympa à la série GPS4 et pouvoir le faire sur Twitch. Parce que j'ai du mal à le faire sur Twitch parce que j'ai peur que beaucoup d'entre vous soient paumés en fait. Et j'ai envie que ceux de Twitch, enfin ceux de YouTube, puissent avoir aussi les rediffusions de Twitch, mais en gratuit. Alors bien sûr, ceux qui seront Twitch Prime, qui s'abonneront à ma chaîne Twitch, ils pourront le voir directement, tout en rediffusion. Alors que sur YouTube, ça sera cadencé par épisode, donc... Si vous voulez tout voir, claquez votre Prime, claquez votre abonnement sur YouTube. Mais si vous voulez le voir gratuitement par épisode, donc faudra attendre un peu plus longtemps que de revoir la rediff tout simplement, bah c'est gratuit. Et moi je voudrais aussi balancer un petit peu ce côté gratuit pour que tout le monde puisse avoir accès en fait à mon contenu. Et que voilà, que ça soit pas réservé à une élite. Voilà, que voilà, l'élite, enfin l'élite, ceux qui ont de l'argent et qui me donnent, bien sûr, cet argent seront récompensés, on le voit, par la rediffusion gratos, par des emojis, par un grade, voilà, sur Discord, qui permet de leur dire bravo, merci en tout cas de me donner de quoi payer en tout cas les futurs let's play par les jeux, etc., le futur matériel. Ben, en échange, je vous donne tout cela. Mais voilà, même si c'est une petite élite, l'élite n'a pas tout. Et j'aime pas trop le mot élite parce que ça fait très classe, très les trucs de classe et tout, et ça m'intéresse pas vraiment parce qu'on est tous égaux en soi. Du coup, voilà, c'est ce que je compte faire, et du coup, bah, n'hésitez pas à répondre, la vidéo va être un peu longue, et en plus je m'évade dans mes paroles pour vous dire que je n'écris quasi pas mes vidéos. Du coup, n'hésitez pas à répondre du coup au sondage qui se trouve dans la description de la vidéo. Partagez cette vidéo, ça peut être très intéressant pour beaucoup de personnes qui peuvent s'intéresser à GPS4 et à son modèle. Mais aussi, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, évidemment, parce que j'ai bientôt fini mes examens. Donc lundi, mes examens seront terminés. Et du coup, j'aurai quartier libre et je pourrai plus m'investir dans les vidéos. Du coup, il y aura... Encore une fois, il y aura le retour des deux vidéos par jour avec un LP GPS4 à 20h, tout le temps. Le retour, bien évidemment, du tutoriel sur GPS4, dont beaucoup attendent aussi. Et on aura le retour aussi des LP classiques, dont Super Seducer 2, dont Overcrowd et d'autres que je compte faire en live. Et aussi quelques concours que je compte faire durant le mois d'été, durant l'été. Bref, du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode. Normalement, je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, donc je vais pas vous dire à ce soir ou à demain. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques heures ou dans un jour. Je vous remercie de m'avoir suivi et merci à tous pour ceux qui vont répondre à ce sondage. Merci à tous. Et salutations.